Bonjour et bienvenue dans l'émission qui présente dans les détails les reliques de nos héros et vilains de l'univers Marvel. Cet épisode est consacré à l'emblème des États-Unis, le reflet des valeurs que défend son porteur. Il s'agit du bouclier de Captain America. Le bouclier de Captain America a été créé durant la Seconde Guerre mondiale par le docteur Myron McClane. Ce dernier est commandité par le gouvernement pour inventer un blindage de tank indestructible. Il crée un alliage de vibranium en forme de trappe de tank et le résultat est extraordinaire. Hélas, il ne parviendra jamais à reproduire le processus et cette trappe devient le bouclier de Captain America. Mais il faut savoir qu'à l'origine, le bouclier portait une forme triangulaire. Il échange dès le deuxième numéro du comics en avril 1941 contre le modèle rond actuel. Ce changement vient du concurrent du prédécesseur de la maison d'édition Marvel, appelé autrefois Timely Comics. MLJ Magazine se plaint que l'objet ressemble trop à la plaque thoracique de leur héros appelé The Shield, qui veut dire bouclier en français. Dans cette vidéo, nous resterons sur le bouclier classique que l'on connaît dans les comics. Mais sachez que Captain Rogers est devenu un temps un héros solitaire et utilisa un bouclier en adamantium créé par Tony Stark. Le second qu'il ait porté est fait de vibranium pur, un cadeau de T'Challa, la panthère noire du Wakanda. Le troisième est créé par le Shield, il s'agit d'un bouclier énergétique créé en énergie photonique. Et le plus récent est celui de Steve Rogers, revenu sur le mode triangulaire. Son nouveau bouclier se sépare en deux et possède une lame d'énergie. Après ces quelques infos, revenons à notre bouclier classique avec quelques chiffres. Le bouclier de Captain America a un diamètre de 76 cm, pour une épaisseur de 9 cm. Son poids est de 5,4 kg, donc très léger, et peut supporter des températures atteignant les 5000 degrés. Grâce au vibranium qu'il contient, le bouclier de Cap rebondit avec une perte de vitesse minimale. Il le protège des puissantes attaques et peut même amortir sa chute. Il est aussi insensible aux attaques magnétiques de Magneto. Plus une arme qu'une défense, il sert de projectile comme un boomerang en forme de disque. Il peut servir également de bélier, de luge et renvoie toutes les attaques. De rumeur indestructible, le bouclier a subi de nombreux dommages collatéraux durant ses décennies dans les comics. Brisé par le Docteur Fatalis, détenteur à une époque du pouvoir du Beyonder, vaporisé par les molécules de l'homme molécule, déchiqueté par le serpent à main nue et cassé par Thanos avec le gant de l'infini. Le bouclier de Captain America est censé être incassable, mais il est détruit à plusieurs reprises. Souvent à cause de Tony Stark qui l'empruntait afin de faire des expériences dessus et l'échanger avec une réplique moins résistante. Entre autres plein d'histoires fantastiques dans nos comics. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir visionnée, à bientôt pour un nouvel épisode sur nos objets favoris de l'univers Marvel. Salut les amis!